Bonsoir les amis, nous venons de suivre tous les arrêts de la Cour constitutionnelle qui sont irrévocables. Comme je vous l'avais dit, j'attendais ces arrêts pour pouvoir prendre ma décision. À partir de ce soir, je préfère mon argent que je voulais investir dans la campagne de gouverneur et sénatrice au Kasaï Central, pratiquement 900 000, 1 million de dollars, aller investir ça chez moi en Belgique. Et que ça soit l'héritage de mes enfants. Je ne ferai plus d'action chez moi, au Kasaï Central, précisément. J'ai compris que les Baluba de Mbujimayi sont aux commandes et que nous devrions pousser tels des esclaves. Ce sont eux qui déplacent les pions. Ce sont eux qui disent qui va où. Il paraît que je suis un électron libre. Je m'assume. Être électron libre, j'ai travaillé toute ma vie, je ne dépends de personne. J'ai mon argent, j'ai mes diplômes, j'ai une expérience. Tout le monde peut m'utiliser pour travailler. J'ai travaillé pour tout le monde dans ma vie, donc je n'ai pas de problème. Aujourd'hui, je vous dis, si vous, votre délire, c'est de prendre les femmes d'autrui, les copines d'autrui, qu'on prenne vos femmes, que vous puissiez arracher les femmes d'autrui sans honte ni vergogne. Ngaï délire nangez alaka. Je suis marié à monsieur du Sochois, mon mari depuis 23 ans. Délire nanga pe en Afrique, sur la commune d'Afrique. Na bali moi jo nanga na tchena ndak. Pona sala ka lokwa binote, je suis mieux que vous réunis. Donc je suis clair, net, précise et concise. Oh, ces poèmes de coupe, coupe ni coupe la ngomo nango du Sochois. Et donc, je vais rentrer dans mon ancien travail qui m'a toujours donné beaucoup d'argent. Vous volez, moi j'ai fait des lives sur vous. Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram me paye des milliers de dollars, des milliers d'euros. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Mon nom ne doit plus être assimilé à personne. À partir d'aujourd'hui, je confirme que je suis un électron libre. Et que désormais je suis gendarme sur internet. Et que désormais je ne suis en contrat avec personne en dehors au félé. Je ne communique que pour celui qui va me payer. Au niveau du gouvernorat, je laisse tomber. Je préfère garder mes 900 000, mes 1 million de dollars. Aller investir chez moi en Belgique, là où ça pourra aider mes enfants. Moi, je n'ai pas volé. J'ai travaillé toute ma vie. Je l'ai mérité. Mais par contre, Zobrata, tu peux maintenant m'attaquer. Hein? Parce que ici, ton CPI, sa peuple, la grande gueule de la République va retourner sur sa place publique. Je veux reprendre ma prenne du net. La chouchou de l'opposition, celle dont les vidéos font des 10 millions, des 20 millions de vues. Donc voilà, on renfloue les caisses. Vous voulez vous renflouer, nous aussi on renfloue sur votre dos. Ok? Donc voilà. Bien, Zabitok. On vous laisse votre pouvoir. Bonne chance à vous. Ainsi, à travers cette vidéo, je voudrais vous dire au revoir. Je voudrais vous dire adieu. Kananga, sachez que je vous aime beaucoup, mais je ne reviendrai plus. Congo, merci. Je pars. À mes frères et sœurs, bloquez-moi. Tous ceux qui m'aiment, merci de continuer de me soutenir. Je pars énervé, frustré. On m'a montré que ma place, c'est sur Internet. Je vous dis vraiment adieu. Je ne ferai plus d'action au Congo. Je resterai peut-être avec mes équipes parce que c'est un investissement que je gérerai depuis la Belgique. Aujourd'hui, je suis libre. Que toute personne qui veut travailler avec moi puisse
me contacter. Congo, je vous aime et je vous fais mes gros bisous. Donc, je rentre chez moi en Belgique et je nous souhaite tous de bonnes choses. Je nous souhaite d'avoir beaucoup d'argent. Honnêtement, bien sûr, en bossant dur. Et Keba. Keba. Adieu.